Yep les gens, c'est Léo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 3 de Waka Island 2, je sais plus le nom. Et let's go. Alors il y a eu de l'avancement depuis le dernier épisode. Déjà je me suis assez stuffé, notamment avec le blé. J'ai pas mal farmé le blé, les vaches et tout. Par exemple là j'ai 24 steaks, vous pouvez voir. J'ai vraiment beaucoup farmé la nourriture, parce que je mourrai un peu de faim, je crois, dans les derniers épisodes. Et puis j'ai fait un donjon que j'avais pas fait à l'époque parce que j'avais pas assez de stuff, qui est juste là. Je l'ai fini et j'ai gagné ça. Et ouais, une épée en fer tranchant 5, c'est un très bon prix. Et puis je crois que c'est tout. Ah oui, les bottes en maille, elles étaient dans les coffres du donjon. Et puis La maison, je l'ai continué, je l'ai fini même. Ouais, elle est finie, la maison. J'ai mis des lianes pour l'ambiance, enfin une ambiance un peu. Avec des pots, c'est pas mal beau. Puis la cloche, je pense, je vais la mettre là. Ouais, la cloche, je vais la mettre là. Voilà, c'était plus joli. Ou même, attendez. Voilà, c'est parfait. J'adore cet endroit. Elle m'intéresse vraiment beaucoup, cette île. Elle a l'air assez, comment dire ça, hostile. Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Calme, intrigue, donc allons-y. Alors, nous sommes sur l'île. Là, pour l'instant, je vois absolument rien du tout d'intéressant. C'est juste du sable. Et du sable. On va essayer de le drain. 12 seconds later. A few inches later. Voyez-vous ce que j'ai dans la main? Deux TNT. Il y a quelque chose qui se cache dans cette île. Je l'ai vu dans l'endroit des objectifs. Alors, donc je veux découvrir ce qui se cache dans cette île. On va donc. Ah! Déjà il y a des spawners. On va donc exploser. Absolument rien. Déjà ça commence bien. Et absolument rien. C'est génial, ça doit être sous terre en fait. One eternity later. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Ouais. J'ai fouillé de fond en comble et finalement j'ai trouvé le Wakan artefact. Yes! Ça du sable des âmes, on a des crânes, on va pouvoir faire le wither. Ouais, pas maintenant en tout cas, on n'a pas assez de stuff, je pense. Nice. Mais on a trouvé le Wakan artefact, enfin. Alléluia. Ça fait, c'est tellement longtemps que je creuse, j'ai creusé de partout, j'ai fait des tunnels, mais de partout. Et bah je suis vraiment content, on a enfin fini par trouver le Wakan artefact. Rentrons à la base. Et perfect. Ah oui, on doit aussi faire 64 champignons rouges et marrons, ça il faudra qu'on le fasse. Et 64 stone smooth, ça va être ça. 32 blocs de quoi, je sais pas ça. Ah ça va, il y a des tiennes qui sont assez simples. Donc pour compléter le challenge pour les champignons, on va tout de suite faire une salle à champignons, une ferme à champignons. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus fait. En fait, une ferme à champignons, bah, comme vous le savez peut-être avec le nom, ça sert à farmer des champignons. Si ma théorie est bonne, on va avoir des champignons d'ici quelques temps. On va tout de suite mettre un stack de pierre à chauffer.
comme ça au moins on aura complété encore un objectif. Je peux le faire. Déjà on peut commencer à se faire un truc de faire, ça c'est pas mal. C'est dommage juste qu'on n'a pas un stuff diam, parce que j'ai jamais combattu un wizard avec un stuff fer. Honnêtement, on va se planter dans le mur là. Je sens très mal. Je propose qu'on aille dans l'île à la forêt. Juste comme ça, juste j'ai envie d'aller dans l'île à, de la forêt. Il y a déjà un pont, étonnamment. Déjà, j'ai bien envie de refaire ce jardin parce que là, il est un peu bordel. Il est à moitié dans le vide, à côté d'un petit étang. C'est beau, mais ça me sert pas trop pour l'instant. Donc, on va tout casser et puis on va tout placer autre part. Nice. C'est génial. Et 64 pierres. Tac. Voilà, collecte 64 smooth stone. Challenge 8 complet, parfait. Et voilà, j'ai terminé le petit coin. J'ai fait un gros champ. Petit coin, voilà quoi. J'ai mis des nénuphars pour marcher sur l'eau. C'est parfait. J'ai planté des baies. Des baies. Elles sont magnifiques, les petites baies. Et puis, je crois que c'est tout. J'ai débarrassé un peu. J'ai fait un petit chemin. Bref, j'ai rendu cet endroit un petit peu plus meilleur. Même si ça se dit peut-être pas en fait. Ok, je suis au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne le sais pas du tout. Ouais, il y a quelque chose derrière. Ah, il y a des graines de cacao. Ah bah c'était une bonne idée de venir ici, c'était une merveilleuse idée. Eh, il va tomber. On va prendre aussi cette bois d'acajou.
qu'est-ce qu'il faudrait pour... Ah oui, c'est vrai, ça pousse sur du mycélium. C'est vrai, il y a les terres de mycélium un peu plus loin. Ok. On y ira plus tard. Bon, bah, je pense qu'on peut dire que c'est la fin de cet épisode. On a fait pas mal de choses, même si beaucoup étaient sans but particulier. On a vu vraiment beaucoup d'îles. Si jamais je vois que cet épisode vous a plu, vraiment plu, je vais essayer de chercher encore plus dans les îles forêts, parce que je suis certain qu'il y a un coffre caché, je sais pas. Non, en fait, voilà, je suis moins certain en fait. Mais si vraiment vous montrez que vous avez aimé cette vidéo, je ferai un live où je découperai tous les arbres de ces deux îles. Ces deux îles qui ont été très très bof en fait. Celle-là derrière moi et celle-là derrière moi. Et si jamais du coup cet épisode atteint, on va dire, 10 likes avant lundi prochain, vous savez ce que ça veut dire. Un petit live vous attendra peut-être à la place de lundi prochain, peut-être pas, je sais pas du tout. Lundi prochain en plus, c'est férié. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.